que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle sélection de 5 livres, cette fois sur l'été, puisqu'il a commencé, même si on le remarque toujours pas, en Belgique actuellement, je ne vous le cache pas. Ça n'a pas changé depuis les dernières vidéos, en tout cas pas beaucoup. Mais en tout cas, voilà, j'ai sélectionné, comme bah, plusieurs autres reprises, voilà, 5 livres qu'il y avait eu bah, sur l'automne. J'avais fait 5 livres du coup pour Noël. Et du coup, ici, enfin voilà, toujours un peu la même logique, j'avais décidé de faire du coup cette vidéo avec 5 livres pour l'été. Alors en été, j'ai pas vraiment de lecture vraiment phare. J'ai certains auteurs que j'aime bien retrouver, dont Virginie Grimaldi, que vous avez retrouvé dans cette sélection, vous l'avez vu sur les vignatures. Et aussi beaucoup des livres de piraterie, mais pareil, vous n'en trouverez pas dans cette sélection parce que pareil, je vais faire 5 livres de piraterie plus tard durant les grandes vacances. Et du coup voilà, donc ici c'est un peu des livres que vraiment je ne me voyais pas lire en dehors de cette saison, que j'ai apprécié, pas forcément des coups de cœur, mais voilà, c'était des bonnes lectures que j'ai envie de vous recommander et de mettre à l'honneur aussi. Il y a des livres dont je n'ai jamais parlé sur les réseaux aussi. Et du coup voilà, donc cette petite sélection, j'ai pris plaisir à la faire et ben, je vais attaquer tout de suite pour que vous la découvriez à votre tour. Le premier livre qui me vient en tête quand on me dit lecture d'été, c'est forcément celui-ci, donc le tome, ce one-shot qui s'appelle donc Dry et qui a été écrit à quatre mains donc par Neil Chesterman et Jarrod Chesterman qui est son fils. Neil, c'est l'auteur de La Faucheuse que vous voyez hop juste ici et dont je vous avais déjà parlé sur 5 livres pareil pour Halloween. Mais ici on est dans un tout autre registre où le résumé nous disait « Avez-vous déjà eu vraiment soif ?» La sécheresse s'éternise en Californie et le quotidien de chacun s'est transformé en une longue liste d'interdictions. Ne pas arroser la pelouse, ne pas remplir sa piscine, limiter les douches, jusqu'à ce que les robinets se tarissent pour de bon. La paisible banlieue où vivent Alyssa et sa famille vire alors à la zone de guerre. Soif et désespoir font se dresser les voisins les uns contre les autres. Le jour où ses parents ne donnent plus de signes de vie et où son existence et celle de son petit frère sont menacées, Alyssa va devoir faire de terribles choix pour survivre au moins un jour de plus. Donc voilà, donc clairement c'est le premier bouquin, je vous disais, qui me vient en tête vraiment quand on me dit lecture d'été, parce que voilà, on parle de soif, on parle de chaleur, et mon dieu qu'est-ce que je l'ai ressenti durant ma lecture, c'était incroyablement réaliste. Surtout que je me rappelle très bien du moment où je l'ai lu, j'étais dans le sud de la France à ce moment-là. Il faisait 35 degrés, on avait loué une villa avec plein de potes, etc. Il y avait piscine dans le sud de la France, tout ce que vous voulez. Et il faisait donc très 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 chaud aussi. Et si vous voulez, c'est un livre où c'était des mesures donc, qui étaient progressives. Voilà, où on parlait effectivement au début un peu limiter l'eau, éviter de mettre trop d'eau dans les piscines, ou d'arroser effectivement le jardin tous les jours comme ils le disent. C'est des mesures qu'on n'entend pas trop, en tout cas en Belgique, mais qu'on entend souvent par exemple au journal télé, en France sur TF1 ou quoi, pendant le moment de sécheresse, qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus présents. Et que bah, du coup on avait clairement, auquel on avait assisté, voilà, durant notre séjour. Et voilà, lire tout ça en ayant certains éléments, voilà, par rapport aux fleurs, je sais qu'on avait des consignes précises, la piscine, bon du coup elle était remplie, ça ne changeait pas, mais on sentait par exemple aussi l'odeur des fosses septiques qui refoulaient des robinets, enfin voilà, de tout ce qui était égout, qu'on sentait très vite vu que c'était asséché, et qu'on retrouvait aussi en description. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup d'éléments comme ça, que vraiment je pouvais, voilà, être totalement immersif en tout cas dans cette histoire, dans ce récit, et qui était ben voilà, très réaliste comme je le disais à l'instant. Et donc voilà, donc ici on va suivre, on l'a dit, le personnage d'Alyssa et son frère, j'ai oublié son prénom au petit, je me rappelle qu'elle accompagne aussi de Kelton qui avait un petit crush dessus, mais alors son frère c'était comment, Gareth, c'est possible, je sais plus, ah ouais, Gareth, c'est ça. Il venait de loin celui-là, je vous jure, il venait de loin. Et donc voilà, ils vont se retrouver assez rapidement sans leurs parents. Ça va être clairement un scénario catastrophe où les choses vont s'aggraver petit à petit. Et pareil, je l'avais lu en période vraiment post-Covid, donc l'été suivant, je pense en 2021.
Et on avait aussi assisté à toutes les réactions qu'au début on se dit on voit ça qu'au cinéma, etc. De comment les gens peuvent vriller en temps de crise, et du coup ici de la crise du manque d'eau, qu'on va appeler donc le tap-out. Et du coup pareil, avoir vécu un peu ce truc-là rendait pareil le récit très très réaliste à nouveau. Je crois que c'est vraiment le mot qui va ressortir le plus concernant ce bouquin. Voilà, que vraiment en moins de deux, en fait, les gens peuvent vriller, ça peut aller très 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 vite. Et ça, voilà, vraiment, je suis convaincue que dans la réalité, du coup, ce serait exactement pareil. Voilà, même si c'est carrément inquiétant, mais voilà, en général, les gens, ils vrillent, quoi, ils vrillent, enfin, en moins de deux, clairement. Et donc, voilà. Et donc, on va suivre ce petit groupe, donc avec Alicia, son frère, je vous disais à l'instant aussi, Kelton. Et aussi, par la suite, il y a deux autres personnages, Jackie et... J'ai un doute sur le prénom du dernier, pareil, je vais plus le retrouver comme ça. Ah Henri, voilà. Et Henri, qui était le dernier, qui m'ont rencontré du coup sur leur chemin. Et forcément, ils vont voir un peu... essayer de s'en tirer, voilà, d'essayer de trouver de l'eau, de s'en sortir, de rejoindre une zone aussi qui normalement n'est pas trop dévastée voilà, par ce manque d'eau, etc. Voilà, c'est un livre qui se veut du coup très dystopique à la base, mais qui depuis quelques étés nous montre qu'on emprunte doucement mais sûrement cette petite voie bien sympathique. Et du coup voilà, juste je pense que c'est vraiment la lecture parfaite pour cette saison. Vraiment, je n'imagine pas quelqu'un qui peut le lire sous la drache, dans le froid, etc. Je suis sûre en fait qu'on perdrait de la saveur voilà, et une partie de l'histoire dans le tas. Et juste voilà, c'était dingue de pouvoir se mettre en fait à leur place et de s'imaginer voilà, dans cette situation, avec ses contraintes, etc., le temps d'une lecture. Même si finalement ce que je reproche du coup à ce one shot, c'est un peu la fin que j'avais trouvée, je me rappelle, assez précipitée. Et je crois que comme voilà, c'était de plus en plus dramatique, j'aurais aimé une fin encore plus dramatique, etc., que celle qui était proposée ici. Et donc voilà, pour moi, il y avait un petit chouïa de loupé de ce côté-là, mais vraiment pour l'ensemble du bouquin, je vous le recommande. C'est un bon 16 sur 20, etc. Et puis voilà. Et même si je l'ai beaucoup beaucoup moins aimé que La Faucheuse, je le recommande clairement pour l'été. Le second livre, pareil que je n'imagine pas lire en dehors de l'été, et vous allez très vite comprendre pourquoi, c'est celui-ci, donc Rebelles du désert. Le tome 1, c'était une trilogie qui était publiée chez PKJ. Le résumé nous disait: prisonnière d'une vie étouffante au cœur du désert, Amani n'aurait jamais imaginé galoper un jour sur un cheval fantastique en compagnie d'un fugitif recherché pour trahison. Elle ne serait jamais douté non plus qu'elle en tomberait amoureuse, ni qu'elle l'aiderait à mener la résistance contre le sultan. Voilà, je pense que ça pose le décor, même la couverture, comme vous pouvez le voir ici. C'est chaud. C'est chaud, c'est le désert, c'est la calore. C'est un peu chaud parfois, un peu aussi entre eux, etc. Il fait étouffant, enfin juste voilà, juste le décor incite clairement voilà, à ce qu'on le lise du coup durant l'été. Vraiment, ça me paraît inconcevable de le lire en dehors. Et du coup, on suit effectivement Amani, pardon. Le garçon en question s'appelle Jean, qui du coup effectivement vont devoir se lier, être traqués, etc. Et sur les trois tomes, vont effectivement essayer de faire tomber le sultan. Voilà, dans ce groupe de rebelles. Je vous avoue que c'est pas les personnages, j'ai un principe même en général, qui m'ont le plus marqué dans ma bibliothèque, que j'ai le plus apprécié non plus. Alors, j'ai envie de dire Amari, mais Amani, je l'avais bien aimé parce qu'en fait, on est un peu dans le côté maghreb et on montre assez clairement au début que la place de la femme, c'est pas foufou, hein, on va pas se le cacher. Voilà, c'est assez fidèle à voilà, toutes ces mentalités-là, etc.
Mais c'est un personnage qui a beaucoup de franc-parler, qui a beaucoup de volonté, qui est très déterminé, etc. Et qui du coup amène un peu de fraîcheur, un peu de liberté dans tout ça. Donc pour ça, elle était appréciable. Mais vraiment, c'est pas que je me suis attachée outre mesure à elle ou aux autres personnages. C'est pas qu'ils m'ont marqué, emporté, ou j'ai vibré d'émotion pour eux ou quoi. C'est pas ce genre de lecture-là et de perso-là. Mais par contre, l'univers est très très chouette. Parce que clairement, c'était un univers de fantasy qui changeait vraiment de tout ce que j'avais lu. Alors, pareil, je l'ai lu en 2021, 2022, quelque chose comme ça. Je sais plus trop exactement. Mais il y a quelques années, et à l'époque, on n'avait pas beaucoup de récits en fait sur ce genre d'univers-là, je disais du Maghreb. Voilà, le côté désert, le côté peuple nomade. Ces caravanes, les vieux sages, dans le tome 2, je me rappelle, enfin je pense que c'est dans le tome 2, qu'il y avait tout un harem aussi, pas inversé, parce que c'est la mode maintenant, mais voilà, à l'époque, ouais, il y a quelques années, on avait très très peu de livres sur ce sujet-là en tout cas. Et quoi d'autre? Barak, Bourak, les ba... Je sais plus maintenant. C'est des livres que ça fait longtemps que j'ai lu, hein. Du coup j'ai plus tous les mots. Mais je crois que c'est Barak ou Bourak, un truc comme ça. Enfin bref, les montures sur lesquelles bah, ici on dit qu'elle va se déplacer, qui sont un peu fantastiques. Voilà, c'était tout des éléments qui clairement contrastaient de fou avec bah, tout ce que je lisais, tout ce que j'imaginais habituellement, etc. Et bah, pareil, il y avait une partie liée aux djinns, vu que vraiment on est dans les mythologies donc maghrébines. Et de manière générale, voilà, au folklore maghrébin. Et tous ces éléments-là, en fait, sont amenés tout au long de la lecture de la trilogie, vraiment au compte-gouttes. Donc on n'est absolument pas perdu, qu'on n'a aucune notion, voilà, de tout ce folklore. Et donc voilà, c'était très chouette à suivre ben, pour tous ces éléments-là. Il y a aussi énormément de péripéties. Ça, je m'en rappelle très bien. Et c'est à ça, en fait, que j'ai plus accroché au final que les persos, comme je vous disais. Parce que vraiment, là, par contre, on ne laisse pas une minute le lecteur et les personnages, du coup, respirer. Clairement pas. Et ce qui était très chouette aussi, c'est que aucune péripétie, finalement, ne se ressemblait. Parce qu'à chaque fois, c'était un lien à un problème très différent. Donc, il n'y avait vraiment pas de côté répétitif, malgré le nombre. Bah justement de répétitions de péripéties qu'il y avait dans le tas. Et du coup pour ça c'était assez chouette, c'était un peu novateur dans ce sens-là. Mais voilà, c'était un récit qui était très 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 rythmé, que j'ai lu assez rapidement, et du coup voilà. Et en vrai je réfléchis, mais je sais pas trop quoi vous dire de plus, parce que je vous avoue que autant c'est un livre que j'associe du coup clairement à l'été, autant, ben, ça fait quand même pas mal de temps que je les ai lus, pas mal d'années, et c'est pas celui qui m'a marqué le plus. Je sais que j'ai aimé, mais c'est pas celui que j'ai préféré non plus dans la bibliothèque. Et du coup, oui, j'ai quelques péripéties forcément en tête très très marquantes, mais comme d'hab, c'est pas celle dont je peux vraiment parler. Donc voilà, juste si vous avez envie bah, de vous évader dans ces contrées bah, très chaudes, etc., de voyager sous des montagnes de sable, etc., enfin toutes ces choses-là, voilà, plutôt que de prendre l'avion pour aller visiter le désert bah, voilà, avec votre propre pied, bah, en tout cas, je vous les recommande parce qu'ils étaient très chouettes, ils se lisaient tout seuls. Et puis voilà. Le troisième livre que j'associe toujours à l'été, je vous l'ai dit en début de vidéo aussi, c'est un livre de Virginie Grimaldi, parce que ça, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Si je pense été, je pense Grimaldi. Je sais pas, à chaque fois, c'est tellement léger, c'est tellement frais, c'est bienveillant, c'est good vibe, tout ce que vous voulez, que clairement, Grimaldi, je trouve que c'est une. L'été, c'est une très bonne saison, pardon, pour lire un Grimaldi. Et celui que j'ai sélectionné du coup pour cette vidéo, c'est celui-ci. Donc il est grand temps de rallumer les étoiles. Franchement, juste le petit camping-car, ça indique ce petit voyage, ce petit road trip. Et le résumé pareil, il nous disait. Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat à qui elle donne le nom de son père parce qu'il a quitté leur navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle, elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie.
Si on ne peut pas revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. J'ai choisi donc ce Virginie Grimaldi, je vous ai dit pour tous les éléments d'avant, mais surtout parce que clairement, qui n'a jamais, au moins une fois, pensé « je vais tout plaquer pour partir voilà, en voyage à l'étranger, machin, etc. » Genre qui, soyez honnête, est-ce que ça ne vous est jamais arrivé au moins une fois, genre « allez, on vit qu'une fois, one life, etc. » Et clairement, le fait que ben, ce fantasme a été retranscrit ici, voilà, en récit par Grimaldi, juste je trouvais que c'était une idée de génie. C'est sûr que ça allait marcher. C'est le premier Grimaldi, d'ailleurs, que j'ai lu, parce que j'avais vu des retours absolument excellents dessus, et je ne suis pas étonnée qu'il ait trouvé son public, déjà parce que c'était Virginie Grimaldi, mais surtout pour la thématique qui avait été lancée ici. Et voilà, je trouve qu'on peut assez facilement à nouveau se retrouver aussi dans les personnages en question, par cette maman qui est prise par le rythme boulot métro dodo, qui ben, n'a pas le temps qu'elle veut vraiment pour profiter de ses enfants avant qu'il ne soit trop tard, que voilà, elle passe à côté des meilleures années au niveau familial ou ce genre de choses. C'est aussi très facile de se retrouver ben, dans ces adolescentes, donc de Chloé et de Lily. J'avais beaucoup aimé Chloé, ça je m'en rappelle très très bien, parce que bah, voilà, on le décrit déjà un petit peu ici, mais c'est un personnage, enfin c'est le perso que je me rappelle de moi adolescente qui est complètement perdue, bah, due à l'adolescence, qui veut absolument se faire aimer, quitte à faire des trucs qu'elle aime pas trop, voilà, c'est pas fou à dire, mais c'est souvent le cas en mode ado, qui est aussi ben, sensible, même hypersensible, et pareil, je me suis assez retrouvée dans cet élément-là. Et voilà, et vraiment, elle est complètement perdue. Elle a 17 ans, elle devient quand même une jeune fille, mais en même temps, on sent qu'elle a encore besoin ben, de sa maman, même si elle veut pas forcément le verbaliser ou le reconnaître, etc. Et à l'inverse, Lily, ben, 12 ans, c'est l'entrée dans l'adolescence, donc elle a encore beaucoup de traits de l'enfance, et en même temps, elle les quitte, elle veut jouer un peu les grandes. Je pense que c'est son perso à elle, parce qu'on a le point de vue des trois persos tout au long de l'histoire, et les chapitres étaient très courts à chaque fois, donc ça se lit très vite, c'est un page turner. Et il me semble que c'est elle qui donne son point de vue, souvent sous la forme de son journal intime, et je crois, pareil de mémoire, mais ça je suis pratiquement sûre, qu'elle l'avait appelé Marcel, il me semble. Et genre le truc il revient de très loin dans ma tête. Et pareil du coup, enfin voilà, je me suis vraiment beaucoup attachée à ces personnages là, voilà, à ces failles qu'elles ont l'une entre, enfin les unes avec les autres, et voilà, on sent que c'est un moment crucial au niveau familial, c'est maintenant qu'elle le fait ou vraiment il va y avoir des cassures, ben voilà, dans ce groupe de trois. Assez importante et c'est le bon moment pour juste voilà, réparer tout ça et franchement voilà, à nouveau comme d'habitude avec Virginie Grimaldi, c'est un récit qui était bien dosé, on tombe jamais dans le cliché. Alors oui, on part d'un truc que tout le monde s'est dit, etc., donc dans ce sens là c'est un peu cliché, mais dans le reste c'est pas l'ado cliché, c'est pas la mère hystérique machin, etc., ou l'ado qui va juste la remballer en mode genre et voilà, non vraiment c'est des personnages qui sont justement dosés, c'est des sentiments qui sont très bien exprimés comme d'habitude avec Grimaldi, vraiment je vous le dis, elle a une plume humaine comme personne d'autre, c'est vrai, enfin, elle a une plume qui est faite pour parler justement des sentiments avec une justesse incroyable. Et peu importe le point de vue, alors souvent ça a des personnages féminins, elle est quand même plus douée en général pour retranscrire ces personnages là que les garçons, quoi que je dise ça, mais j'ai pas encore lu le livre sur son père, donc je ne sais pas. Mais de ceux que j'ai lus ici récemment, donc c'était Les Possibles par exemple. Mais voilà, je trouve que vraiment, la construction de ces personnages est vraiment hyper bien faite. Et donc le fait d'avoir ces trois personnages ici en récit choral, juste, c'est une pépite, c'est merveilleux. Enfin, c'est une merveille. Je l'ai mis 17 sur 20, ça n'a pas été un coup de cœur, mais quand même, il l'a frôlé. Et je pense que de ma sélection c'est celui que j'ai le plus apprécié au final, et voilà, et forcément bah, ce voyage bah, y a de très belles choses à voir vu qu'on part en Scandinavie. Après c'était pas forcément le récit le plus visuel, si vous voulez le lire voilà, pour vraiment voyager avec les paysages etc, c'est pas dans
Enfin, c'est pas sur ça qu'on va vraiment se concentrer. C'est plus sur les petites galères qu'elles vont rencontrer, qui vont les souder, etc. Ces petits moments où ça y est, elles vont pouvoir avoir des discussions, alors que ça fait longtemps qu'ils essaient justement de les avoir, que les situations n'aient jamais le bon moment, etc. Et donc voilà, c'est pour toutes ces petites choses que je vous le recommande aujourd'hui. C'est un très bon livre aussi, si vous voulez commencer par un Grimaldi, vous faire une idée un peu de sa plume, etc. Et juste, voilà, je le recommande vivement aujourd'hui, comme tous les livres de Grimaldi en général, mais voilà, parfait avec ce camping-car pour l'été. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite, en quatrième position, j'ai choisi celui-ci, donc Le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein. C'est toujours chez Scrinéo. Et le résumé nous dit « Laissez-vous emporter au cœur du désert des couleurs. Dans le désert des couleurs, chaque grain de sable est un souvenir perdu et oublié. Marcher dans les dunes, c'est voir sa propre mémoire s'effacer. Alors, pour se protéger, l'humanité s'est réfugiée dans un cratère d'un volcan. Mais depuis quelque temps, le sable monte chaque jour le long des pentes, prêt à l'ensevelir. Malgré les risques, Kapal Rai, fils du marchand de sable, et Irae, sa demi-sœur, s'aventure dans les dunes multicolores pour trouver un nouvel endroit où s'installer. Mais le désert est dangereux et une fois qu'on s'y engage, il est difficile de ne pas s'y perdre. Une ode à la liberté, au pouvoir des histoires et des souvenirs. » Alors, la première chose, évidemment, c'est que je l'ai choisi parce qu'à nouveau, on parle de désert. Voilà, il n'y a pas de surprise, vous avez vite compris le truc. Mais voilà, il faut savoir aussi que le seul livre que j'avais lu d'Aurélie Wallenstein avant celui-ci, c'était Yardam, pareil, dont je vous ai parlé récemment dans les 5 livres sur la fantasy. Et donc, autant dans l'autre, on avait un récit vraiment très 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 noir, cru, enfin ce que vous voulez, autant ici, pas du tout. Pas du tout. Genre, si Yardam est la lune, lui, c'est le soleil, quoi. Genre, ils sont vraiment, je sais pas, similaires, complémentaires, mais vraiment à l'opposé aussi. Et du coup, je ne m'attendais pas du tout à avoir cette plume d'Aurélie Wallenstein. Quand je l'ai entamée, c'est pas du tout ce que je cherchais non plus. Et au final, passé du coup cet étonnement, j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture aussi. Je crois que je lui avais mis, pareil, un 16 sur 20. Dans ce récit, du coup, on va donc suivre le personnage de Kapal Rai et de sa demi-sœur, donc Irae. Kapal Rai, c'est un jeune homme qui, par contre, est hyper altruiste. Hyper bienveillant, hyper solidaire, etc. Vraiment très très humain. Et bah, sa demi-sœur, par contre, elle avait un caractère qui était déjà un peu plus impulsif, un peu plus râleur ou des choses comme ça. Ouais, je dirais plutôt impulsif. Je crois que c'est le mot qui lui convient le plus. Et effectivement, ils vont devoir partir du coup de cette ville pour aller chercher cette autre ville qui aurait... ben, plus ou moins survécu au reste de l'humanité, voilà, à ce désert qu'ils vont devoir traverser. Ils seraient au-delà du désert et ce serait un peu le monde normal, le monde d'avant, quoi. Mais entre les deux, ben, vous l'avez compris, il y a ce désert de couleurs qui est donc fait des souvenirs des gens. Et effectivement, quand les personnages ici vont devoir le traverser, au fur et à mesure, ils vont perdre leurs propres souvenirs qui vont s'émietter du coup dans ce désert. Et du coup, forcément, c'est très compliqué d'aller au bout. Ils envoient toujours de nouvelles personnes sans forcément avoir de retour sur les personnes d'avant. C'est clairement, en fait, un récit initiatique, vous l'aurez compris pour le côté voyage, mais aussi un récit, d'adversité, de solidarité, d'entraide, vraiment beaucoup, 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 où ils vont devoir chacun surpasser un peu leur propre démon. Ça, c'est un élément qui est vraiment pas mal mis en avant, et en même temps... Malgré ces démons-là, c'est pas que c'est un récit sombre pour autant. On est vraiment dans un récit ultra lumineux et très très poétique pour le coup. Qui parfois, je vous avoue, m'a fait penser à La rivière à l'envers de Mourleva. Et pareil pour un peu les paysages imaginés, pour ces petites étapes, pour le côté poétique toujours. Et forcément, à nouveau, comme d'habitude, je ne peux pas vous parler vraiment de ce qui se passe quand ils traversent du coup ce désert, mais c'est un récit qui est parfois aussi un peu philosophique, qui met en lumière certaines valeurs plutôt que d'autres, qui donne des petites leçons de vie ou ce genre de choses, sans être moralisateur vraiment non plus derrière.
C'est compliqué, franchement c'est compliqué de vous en parler parce que c'est un véritable ovni. Mais globalement, c'est un livre qui est positif dans le sens où il est porteur d'espoir. Par rapport à quoi? Ben, à plusieurs éléments de l'humanité et des parties les plus sombres aussi. Mais vraiment, on se concentre à nouveau sur les parties lumineuses, sur le positif, sur le fait que malgré les mauvais moments, il y a toujours du positif ou de belles valeurs qui ressortent de ces éléments-là. Et donc pour ça, il était très très chouette à lire. Il est aussi, parfois un peu dur, mais quand même feel good pour ce positif donc, qui en ressort. Et donc pareil, c'est pour ça que je l'intègre un peu aussi, au-delà du fait que c'est un désert, à cette pile de l'été pour le côté donc good vibe. Et voilà. Je suis en train de réfléchir, mais c'était vraiment un récit très spécial. Très spécial et donc très compliqué à dévoiler. Parce qu'en même temps, il y a aussi quelques lenteurs, du coup. Je dirais même pas lenteur contemplative, je sais pas. C'est comme si c'était un peu suspendu et hors du temps. On va plutôt dire cet aspect-là. Et il y a aussi un petit côté onirique qui s'en dégage. Donc, voilà, un petit côté rêve, je sais pas trop. et du coup, voilà, pour l'été, en tout cas, je trouvais qu'il passait vraiment bien. J'adore toujours, dans tous les cas, vous conseiller un Aurélie Wallenstein. Et donc, voilà, si vous n'êtes pas fait pour la team Yardam, Sombre, etc., je pense sincèrement que celui-ci ou... comment s'appelait l'autre? Mère Morte. Ou Mère Morte pourrait aussi vous intéresser dans le genre parce que voilà, Aurélie Wallenstein, je pense vraiment qu'on en trouve pour tous les goûts et que dans tous les cas c'est une plume qui est qualitative, qui est adaptée à son récit, etc. C'est pas parce qu'on lit celui-là qu'on connaît la plume de l'autre forcément ou quoi. Et du coup voilà, donc je vous conseille celui-ci pour cette petite sélection d'été parce que clairement je trouve qu'il a parfaitement sa place et que c'est un très très bon livre aussi. Et on arrive déjà au cinquième livre de cette sélection, j'ai l'impression que ça va super vite aujourd'hui. Et là, je suis clairement sortie de mes sentiers battus. Et c'est drôle que j'utilise cette expression, vous allez voir, pour parler de ce livre-ci. Donc c'est Wild de Cheryl Strayed, je ne sais pas comment on le prononce, dont le résumé nous disait « Lorsque sur un coup de tête, Cheryl enfile son sac à dos, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Tout ce qu'elle sait, c'est que sa vie est un désastre. Entre une mère trop aimée, brutalement disparue, un divorce douloureux et un lourd passé de junkie, Cheryl vacille. Pour tenir debout et affronter les fantômes de son passé, la jeune femme n'a aucune réponse, mais un point de fuite, tout quitter pour une randonnée sur le chemin des crêtes du Pacifique. Lancée au cœur d'une nature immense et sauvage, seule sous un sac à dos trop lourd, elle doit avancer pour survivre sur 1700 km d'épuisement et d'effort et réussir à atteindre le bout d'elle-même. Une histoire poignante et humaine où la marche se fait rédemption. » Voilà, c'est clairement pas mon genre de lecture habituelle. Je déteste le nature writing, donc vous dites, pourquoi elle a acheté ça? Et je pense de mémoire que c'est Margot Liseuse qui en avait parlé une fois sur une chaîne, et je l'ai acheté clairement sur un coup de tête, je l'ai lu. Et clairement, il y a des livres, pareil, je vous avais déjà dit, qui juste arrivent au bon moment. Genre on entend parler au bon moment, il traîne dans la bibliothèque longtemps, mais ça y est, c'est son moment, etc. Et celui-ci, c'est exactement ça, parce que je l'avais lu suite à mes vacances aussi, c'était du côté de Aix-en-Provence, où j'avais gravi une montagne, c'était le mont ou la montagne Sainte-Victoire. Ça m'avait demandé, je crois, jusqu'à mes dernières forces. Vous n'avez pas idée de l'état dans lequel je suis arrivée en haut. Je n'en pouvais plus. Je ne savais plus surélever ma jambe pour avancer. Je tremblais, je tombais, etc. J'étais au bout du bout. Mais j'étais tellement fière de l'avoir fait. En plus, il faisait crevant de chaud à nouveau. On avait passé les 30 degrés, je pense. Juste un calvaire, le truc. Mais vraiment, un sentiment de fierté et de dépassement de soi. Je pense rarement atteint ou en tout cas inégalé jusqu'à ce jour pour ma part. Et j'étais partie dans l'idée,
ça y est, je veux commencer la rando, etc. Pas forcément toujours sur des montagnes, mais vraiment, voilà, la rando en général. J'étais aussi inspirée quand je voyais, par exemple, Caro Frommoland avec son mari, son conjoint, je sais pas trop, aussi dans certaines vidéos ou quoi. Et j'étais vraiment dans ce mood-là, quoi. Et du coup, quand j'ai entendu parler de ce bouquin-ci, je me suis dit, ouais, trait pour trait. Et je me suis dit, go, voilà, tu l'achètes, tu le lis. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai appris, je pense toujours dans cette vidéo de Margoliseuse, que Cher Estrée, en fait, c'était donc l'auteur, mais c'était une autobiographie. Et que vraiment, tous les éléments étaient vrais. Le décès de sa mère, du coup, on suit un petit peu la partie deuil-reconstruction, mais aussi toutes les merdes familiales ou quoi qu'il y avait autour. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Cheryl. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration pour elle parce que vraiment, elle est en miettes en fait au début de ce récit, totalement perdue, désorientée, tout ça. Et elle va surmonter via ce parcours, enfin ce trajet, tout et n'importe quoi. Enfin, elle va avoir le chaud, le froid, la faim, la soif. Enfin, moi, je me rappelle où elle est au milieu de nulle part, elle a plus à boire, etc. De la fatigue, les blessures qui vont être liées. Elle va rencontrer un ours. Voilà, enfin, des animaux sauvages, etc. Et elle est absolument, mais absolument pas préparée, comme moi, avec cette putain de montagne, au début de son récit. Vraiment, elle fait ça sur un coup de tête. C'est un énorme parcours, le chemin des Crêtes. 1 700 km, franchement, se lancer comme ça sans préparation, c'est juste, elle est folle. Non, elle est tarée. Et ça, au début, je me rappelle aussi, ça me faisait mourir de rire. Parce que vraiment, on est dans sa tête tout le temps, on partage toutes ses réflexions. Mais elle a juste son sac à dos. Mais genre, elle met 20 000 trucs qui servent à rien dedans. Genre, la liste de tout ce qu'elle met dedans, je pense au début, dans les premiers chapitres, ça fait des pages et des pages et des pages. Mais vraiment, de description. Et tu te dis, mais comment elle peut mettre autant dans son sac? La meuf, c'est Mary Poppins, tu vois. Mais voilà, elle y va avec vraiment tout son courage, toute sa détermination. Et alors, c'est vraiment l'idée d'aller se perdre pour se retrouver, de s'infliger le pire pour faire ressortir finalement le meilleur de tout ça. Et clairement, voilà, dans les faits, de s'évader physiquement et mentalement, quoi. On est vraiment sur ces thèmes-là généraux, mais juste, c'était super bien écrit parce que très très réaliste vu que c'est une autobiographie. Il n'y avait pas des phrases alambiquées, il n'y avait pas trop de lourdeur, trop de descriptions, même si on se retrouve vraiment dans des espaces immenses, vides, grandioses. On est quand même dans du natural writing, il faut être logique, mais je veux dire, c'est pas Into the Wild par exemple, que vraiment ça, je ne peux pas, je déteste. Et du coup, voilà. Enfin bref, on va voilà, suivre tout son parcours qui va du coup, je pense, du Canada au Mexique, je ne sais même plus en quel sens, mais je pense qu'elle commence du Canada. Et il s'en passe des choses dans ce bouquin, l'air de rien, même. Enfin. Oui, même si à nouveau, enfin, les péripéties s'enchaînent pas non plus, voilà, toutes les pages, vu que c'est son vrai périple. Mais voilà, je me suis pas ennuyée, j'étais très étonnée de l'aimer autant. Pareil, je crois que je lui ai mis 16 sur 20. Et je ne vois pas le lire pareil à un autre moment. Parce que c'est ça, c'est les montagnes, c'est s'évader, c'est ces paysages. Là, par contre, ils sont quand même assez bien décrits, il faut dire ce qu'il y a aussi. Si vous cherchez un livre, du coup, pour vous aider, vous ne pouvez pas partir en vacances, mais vous voulez quand même, voilà, visiter des trucs, enfin, sortir, en tout cas, mentalement. Parfait, absolument parfait. Je sais aussi qu'il a été adapté au cinéma. Je me demande si du coup la photo n'est pas inspirée de ça. Je vous avoue que je ne l'ai pas regardé. Donc je ne sais pas du tout, mais ça me paraît plausible. Je ne l'ai pas vu, étant donné que j'avais déjà lu le livre. Je pensais que ça allait faire un petit peu redondant, mais si vous ne voulez pas lire autant de pages, parce que quand même, il fait. Ah non, il fait que 500. Je pensais qu'il était plus gros, tiens. Mais voilà, si vous voulez juste le découvrir en film et justement avoir ce visuel plutôt qu'en lecture, sachez que l'option existe aussi. Et voilà, en tout cas, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes lectures. Mais pour le coup, c'était une bonne pioche. Et donc, je suis contente de pouvoir vous le ressortir aujourd'hui parce que clairement, c'est à celui-là que je pensais quand je disais que je n'en avais jamais parlé, même sur Booksta ou quoi. Donc voilà, en tout cas, sachez qu'il existe.
Et voilà, c'est déjà tout du coup pour cette sélection spéciale été. Je vous l'ai dit, on se retrouvera pour une prochaine d'ici un ou deux mois. Voilà, pour parler piraterie, vraiment mer, océan, etc. Et être dans le plein de l'été à ce moment-là. Ici, on était plus dans les parties, ouais, rando, promenade, désert ou quoi. C'est une autre ambiance, un autre style. Mais voilà, je pense qu'en dehors, sinon, de cette vidéo-ci, c'est pas forcément les livres que j'aurais ressortis. Mais je suis contente de pouvoir vous en parler. J'espère que cette sélection vous aura plu, que vous aurez découvert l'un ou l'autre titre, parce que vraiment, on part dans des livres très très différents, pour le coup, et pas forcément des plus connus. Et voilà, et pour ceux qui du coup ne savent pas vraiment comment commenter cette vidéo ou quoi, mais qui veulent quand même laisser un petit coucou de passage, vous pouvez mettre un petit désert, parce qu'il revient quand même deux fois du coup dans cette sélection, donc le petit désert en commentaire, ça passera nickel. Et voilà, je n'ai plus qu'à vous faire des bisous, jusqu'à une prochaine vidéo comme d'habitude, salut.